Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui c'est le ride. Et du coup je tenais absolument à faire cette vidéo, même si je suis un peu fatiguée avec tous les préparatifs. Je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête pour celles et ceux qui le fêtent aujourd'hui. Donc Eid Mubarak pour tout le monde, pour vous, pour vos proches. Voilà, donc dans cette vidéo ce sera une vidéo inspiration Eid. Et à la fin une petite recette. Donc je vais vous donner quelques petites idées hein, pour le Eid. Donc je ne sais pas si vous voyez derrière, j'ai pas mis vous savez là les ballons qu'on met pour le Eid. Je voulais pas trop que ça soit chargé, donc du coup c'est un petit peu minimaliste ma déco. Mais franchement il y a des très belles choses, donc voilà, restez avec moi et je vais vous montrer un peu tout ça. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors les amis, j'ai voulu faire un nude cake avec la fatigue et tout ce que je devais gérer, il est un peu raté. Voilà, donc il est un peu raté, mais c'est pas grave, je sais qu'il est bon. Je vais vous le couper et vous verrez ce que j'ai mis à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement le montage. Donc ça, c'est un petit nude cake. Je voulais faire un petit layer cake. Je montre pas les défauts, hein. C'est catastrophique, franchement. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, je continue ici avec deux super plateaux présentoirs. J'ai acheté ça au marché de Sarcelles. C'est 3 euros pièce. Voilà, donc là, vous avez un petit croissant de lune en déco. J'ai mis des gâteaux en forme de croissant de lune. Voilà, donc c'est recouvert. Donc, c'est la même pâte hein, que vous voyez. C'est des sablés recouverts de Nutella. Donc, il y en avait un peu plus. Il n'y en a pas beaucoup, puisque mes enfants, ils n'ont pas arrêté de manger. Ensuite, ici, l'étoile, pareil, c'est 3 euros pièce. Regardez, l'étoile, 3 euros pièce, que j'ai, pareil, acheté au marché. Donc, marché de Sarcelles, à 3 euros. Voilà, donc le vendeur, il est là le mardi et le vendredi au marché de Sarcelles. Et sinon, pour les personnes qui habitent près d'Asnières, il est là-bas le dimanche. Donc, je vous le dis au cas où, pour les personnes qui sont en région parisienne. Les petites boîtes de gâteaux que j'ai absolument voulu mettre sur l'assiette. Voilà, vous l'avez en blanc. Vous l'avez aussi en noir. C'est des petites boîtes comme ça. Vous ouvrez et donc vos convives peuvent mettre des gâteaux à l'intérieur. Vous pouvez les mettre d'avance. Alors moi, elles ne sont pas encore remplies puisque je n'ai pas fini voilà, tout ce qui est présentation. Elles ne sont pas encore remplies, mais ça peut faire une très, très belle présentation. Et pour remercier vos convives, le jour de l'Eid, ils peuvent partir avec une petite boîte de gâteaux comme ça. Donc, les boîtes de gâteaux, je les ai achetées sur AliExpress. Je vous donnerai le prix. Il faut que j'aille voir sur mon compte. Je vous donnerai le prix. Ensuite, autre inspiration. Je trouve ça très pratique et très classe. Alors, ce genre d'attrape gâteau, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, regardez. Comme ça, ça évite de toucher quand vous voulez servir vos convives. Voilà. J'ai même là-bas des gâteaux que je vais vous montrer. Je vais voir si je peux les attraper avec. Donc pareil, ça aussi, je les ai refaits hier. Regardez. Alors sinon, vous avez celui-là, qui est aussi pas mal. Voilà. Je le fais avec une main. Hein. Je ne serai pas comme ça quand je reçois. Mais voilà, donc c'est pas mal. J'ai acheté ça sur AliExpress. Ici, vous avez des petites boîtes, pareil. Hein. J'ai acheté ça sur AliExpress. Elles sont mais juste canon, ces petites boîtes que vous pouvez mettre un peu partout sur votre table, si, bien sûr, si vous avez de la place. Vous pouvez les remplir. Vous pouvez mettre, par exemple, ici, on peut mettre deux petites boules coco à l'intérieur. Moi, ici, pour ma part, j'ai mis du chocolat. Vous savez, les malaises herbes. Regardez. Vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre des bonbons. Voilà, voilà, ça se pose comme ça sur les tables. Et puis les convives peuvent repartir aussi avec. Voilà, pareil, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je vous mettrai le prix. Ça peut vous donner des idées. Ensuite, bon, regardez pas la tête de
Bon, les nuits de cake, parce que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est raté. Donc ça, c'est au marché, hein, à 1 euro. Voilà. Ça, pareil. Hein. Voilà, c'est parfait. C'est pas mal, hein, pour vos gâteaux. Il y a marqué Eid Moubarak. Et vous le piquez sur vos gâteaux. N'importe quel gâteau. Donc là, je l'ai mal fait. Pareil, hein, ça, c'est 1 euro. 1 euro au marché. Voilà, je l'ai cassé, c'est pas grave. Avec une main, c'est un peu compliqué. Voilà, restez avec moi tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, je vais vous montrer l'intérieur de mon gâteau qui a l'air très très bon. On continue donc le présentoir ici. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Ici marqué Reed, que j'ai colorié en doré. Voilà, donc. Les verres, je les ai achetés chez Action. Et ça, je les ai achetés dans une boutique à 1 euro pièce. Alors, c'est super bien et super pratique pour faire des tiramisus ou pour faire d'autres desserts. Salade de fruits, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que vous recouvrez. Donc, c'est une petite cloche comme ça à 1 euro. Toute petite, hein, regardez par rapport au verre. Voilà, au verre de chez Action. Donc, petite cloche comme ça, toute petite. Donc là, c'est des tiramisus Oreo. Et là, c'est framboise pistache. Et comme je disais, c'est super pratique. Puisque si vous le mettez dans votre frigo, il y a la protection de la cloche. Comme ça évite que les mauvaises odeurs rentrent dans votre dessert. Donc voilà en ce qui concerne ce présentoir. Ensuite, le bismillah ici. Donc il y avait bismillah, il y avait d'autres noms que je vous mettrai en image, hein, si je retrouve. Le bismillah que j'ai acheté, pareil, sur AliExpress. Hein, je regarderai mon compte et je vous mettrai sur le côté. Voilà, le petit bismillah ici que vous posez quand vous recevez. Voilà, vous pouvez même le mettre sur la table. Ah, ça peut faire une très belle déco, regardez. Je continue avec ce présentoir que j'ai acheté pareil hein, au marché de Sarcelles. Mais là, il y a un petit moment hein, que j'ai acheté ça. Ça s'allume hein, puisque vous avez des piles. J'aurais bien voulu vous l'allumer, mais les piles elles se sont éteintes. Et franchement, c'est super beau quand ça s'allume. C'est magnifique. Donc pareil hein, que vous pouvez poser sur votre table, n'importe où. Bon, ça, je le dis au cas où, si on veut savoir, c'est Ikea. Ikea, c'est en vente par 3. Alors, petit photophore, voilà, que j'ai acheté 5 euros. Pareil, hein, au marché, mais il y a un an. Voilà, donc en forme de croissant que vous pouvez mettre sur votre table ou n'importe où, hein.
Alors, petite dégustation comme d'habitude. Alors, ici, le petit déjeuner, c'est avec mon mari et les enfants. Donc, du coup, les convives vont venir en début d'après-midi. Du coup, ma viande que je vais mettre au four, ce sera avec mes invités. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de couper le gâteau. Et même pour le dessert, ou pour le 4 heures, je leur poserai le layer cake. Voilà, ça se referme comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de. Enfin, on peut le refermer. Donc, je bricolerai le gâteau. Alors, je vais commencer ma dégustation avec le tiramisu. Je pense pas que je vais vous montrer le tiramisu Oreo, puisque c'est la même crème. Mais celui-là, franchement, c'est une tuerie, puisqu'il y a de la pâte à pistache à l'intérieur, des framboises. Donc, comme je disais, donc les framboises, ça se marie très très bien avec la pistache. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Ça peut aussi vous donner des idées. Regardez, c'est trop bon. Voilà l'intérieur. Vous avez. Voilà. De la pâte à pistache. C'est très, très, très bon. Avec de la framboise, c'est très bon. Je continue avec mon gâteau qui est raté, mais c'est pas grave. Je vais vous dire s'il est bon. Alors, je vous montre l'intérieur, ça peut vous donner des idées, puisque j'ai pas pu vous faire le montage de la recette, etc. J'ai mis en gâteau des boudoirs. Allez, regardez l'intérieur, il y a de la crème pistache. Alors, je vous explique. Ma crème tiramisu, je ne l'ai pas trop sucrée parce que la pâte à pistache, elle est vraiment sucrée. Bon, pour moi, elle est trop sucrée. Donc, du coup, ça se marie très, très bien. Donc, avec les framboises, la pâte à pistache qui est très sucrée et ma crème tiramisu qui n'est pas trop sucrée, ça se marie très, très bien. C'est très, très bon. Et puis, ici, le tiramisu Oreo. Voilà, tout simple. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre une petite boule de chocolat comme ça en décoration. Que j'ai oublié, bien sûr. Alors, mon gâteau raté. Ici, en bas, j'ai mis crème Kinder Bueno avec, là, un morceau de Kinder Bueno. Voilà, donc je vais vous faire une petite dégustation. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis ici crème Kinder Bueno, framboise. Et des morceaux et des framboises au deuxième ici et crème Kinder Bueno. Donc ça fait un gâteau où il y a deux goûts, Kinder Bueno et framboise. Le gâteau avec le Kinder Bueno et la crème Kinder Bueno, c'est un régal. Alors le petit hic ici, c'est que mon coulis framboise, j'ai mis trop de gélatine, donc du coup ça a trop gelé ici. Mais bon, je vais goûter. Il est moche, mais il est très bon. J'ai fait mieux. Je suis un peu déçue de mon gâteau. Voilà, donc je l'ai trop cuit, je l'ai oublié. Voilà. Bon, c'est pas grave, puisque c'est juste après la prière. Donc là, j'attends mes enfants et mon mari. Ils vont venir faire le petit déjeuner, donc après la prière de la mosquée. Donc voilà, donc c'est pas choquant. Allez, on va en cuisine et on va faire ensemble la cuisson de ma viande cuite au four avec du papier de cuisson et du papier aluminium. Donc, j'ai fait une très très bonne marinade. Donc, je vais vous donner la recette juste après. Donc, là, je vous montre la cuisson de ma viande. Je l'ai mis au four à 180 degrés pendant 3 heures. Alors, le fait de faire une cuisson avec le papier de cuisson et le papier aluminium.
Donc ça rend la viande très très tendre. Donc désolé, c'est un peu chaud, donc avec la vapeur là. Et en plus, regardez la sauce. Donc le papier de cuisson en bas retient la sauce. Regardez-moi cette sauce au fond et franchement, c'était un régal. C'est parti pour la recette. Donc moi, je vais mariner mes deux morceaux de viande. Donc j'en ai pris deux. Donc pour cela, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de miel, du poivre, du paprika, du curcuma, du sel et de l'ail. Et j'ai même mixé une gousse d'ail. On aura besoin aussi pour cette recette de tomates concentrées. Donc moi, ils sont déjà congelés. Je vais prendre 2 morceaux de carré de tomates concentrées que je vais mettre dans un petit bol. Et 2 cuillères à soupe de moutarde. De l'huile d'olive. Et 1 cuillère à soupe de citron. Donc moi, j'ai pris ce citron-là puisque j'avais plus de citron. Alors, je commence par mélanger tout ça. Donc, je vais faire ma marinade. Donc, je prends 2 cuillères à soupe de miel. Je vais mélanger aussi mes épices, la moutarde, l'ail, la gousse d'ail, le tomate concentré, le citron et l'huile d'olive. Et puis, je vais venir masser ma viande avec cette marinade. Donc, je vous laisse en image. Je vais mettre au frais 1 petite heure, histoire que la marinade prenne bien. Je vais mettre au four pendant 3 heures à 180 degrés, le temps de ranger ma cuisine, de me préparer, de me faire belle. Donc la cuisson au four, il y a un avantage, c'est que vous pouvez faire autre chose à côté. Et là, je vais mettre un petit verre d'eau. Après les 3 heures de cuisson, regardez la cuisson de ma viande, une viande super tendre. Et en plus, la marinade que j'ai faite avec le miel. C'est franchement un régal. La viande, elle est vraiment tendre. C'est vraiment une recette à tester, les amis. Je valide cette recette. Et regardez la sauce au fond grâce au papier de cuisson qui retient la sauce. Voilà, voilou, les amis. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez tester cette recette. J'espère que je vous ai donné des idées, de l'inspiration pour vos prochaines fêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker hein, pour m'encourager. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.